Hola Yoshi Family, c'est Yoshi Kira et bienvenue dans, enfin, ce nouvel épisode de Let's Go 100%. En tout cas, j'espère que vous allez bien de ma part, ça va super et enfin, on va s'attaquer aux experts et on va commencer par 6 combats. Alors pour vous expliquer, on va faire 6 combats par 6 et on terminera et on clôturera ce Let's Play 100% sans forcément les shiny de suite avec Green et Red, voilà tout simplement. Donc aujourd'hui nous allons nous attaquer à l'expert Evoli, Aqualie, Pyroli, Voltali, Pikachu, Melofé. C'est les experts des chouchous, c'est les experts des classiques, c'est les experts des faux starters. Et sur le prochain épisode on fera d'autres starters. Donc nous sommes enfin ici présents, après quasiment un petit mois de pause sur ce Let's Play, pour affronter ce premier expert. Coucou toi, tu sais quoi? Je suis une experte d'Evoli. Et même que mon rêve dans la vie est de rencontrer le meilleur Evoli. Minute, c'est un Evoli que je vois là. Il a l'air redoutable. Crois-moi, j'ai l'œil après tout, je suis experte en la matière. Hihihihihi. Et je sais que si on faisait un petit combat de nous deux Evoli, en avant, que le meilleur Evoli gagne. Eh bien, on verra bien. Alors, pour l'expert d'Evoli, voilà, je vous mettrai ça en description. Vous, enfin, dans chaque épisode comme ça, expert, je vous mettrai où est-ce qu'on trouvera les experts. Donc, oh, aoi, la fillette veut se battre avec son Evoli. Donc là, on est sur la route 17, les amis. Ah, je ne suis pas du tout spoil les levels et tout. Les levels, je sais que c'est entre 65 et 75. Là, on est un level de moins que on devrait l'être. Donc ça va être plutôt compliqué. Je crois pas qu'on ait droit aux objets. Pokémon, on peut pas switch, ça c'est sûr, voilà. Et on n'a pas droit aux objets, donc ça va être peut-être compliqué. Alors, on va essayer de le para. Si jamais il est plus rapide que nous. Non, Spunky est beaucoup plus rapide que nous. Donc ça, c'est cool. Ah, oh, ça devrait le faire. C'est bon, la para, c'est sûr. Ok, il nous met une petite protection. Ça, pour l'instant, ça change pas. Ben, on a les votes à l'assaut pour ce heal, si jamais. On va le prendre par le mental. Le Evo Psycho. Voilà, notre Spunky. Peut-être une des dernières fois que vous le voyez avant les attaques finaux. Enfin, les combats finaux. What the ? Ah ouais, j'étais pas prêt. Alors, en soi, ça va être des épisodes courts. Hein. Ouah, la force est incomparable. Ok. C'est fou, ton Evoli est vraiment trop fort. Et franchement, après ce combat, je peux te dire que c'est toi l'expert d'Evoli. Et on a obtenu le titre expert Evoli. On aime les Evoli tous les deux. Remettons ça à l'occasion. Eh bien, écoute, on va remettre ça à l'occasion. Mais on va combattre les frères Evoli, Aqualie, Pyroli et Voltali. Ben voilà, juste après ce petit fondu couleur. Voilà, le petit fondu couleur a été fait. Alors, les trois autres évolutions se trouvent au centre commercial de Celadopol. Alors, quel étage en soi on verra bien. Donc là, on est au premier étage. Est-ce qu'on en a un qui traîne? Oui, c'est l'Aqualie. Donc, on va le mettre en tête d'équipe. Voilà, tout simplement. Donc, c'était Perrier que vous l'avez renommé, vous, en live. Donc, généralement, là, les noms que vous voyez, ça sera soit les noms des Shiny, soit ceux et celles que vous avez renommés. Donc, c'est parti pour toi. Coucou, tu sais quoi? Je suis une experte d'Aqualie. Et même que dans mon rêve, dans la vie, c'est de rencontrer le meilleur Aqualie. Minute, mais c'est un Aqualie que je vois là. Il a l'air redoutable. Crois-moi, j'ai l'œil après tout. Je suis experte en la matière. Hihihi. Et je sais que si on faisait un petit combat avec nos deux Aqualies. En avant, que le meilleur Aqualie gagne. Putain, on va détruire un centre commercial quand même. Alors, va-t-on réussir à faire un sans faute? Déjà, on a eu une petite frayeur sur le Evoli. Mais bon, ça devrait le faire. Aqualie. En face, voilà, donc le mien n'est pas tout shiny, il n'est pas du tout boosté aux hormones, aux bonbons ou quoi que ce soit, niveau 75 on est à l'égal. Ok, on va faire un petit clonage déjà d'une. Ok, il abat l'ombre. Ok, alors c'est risqué ce que je vais faire, mais il est plus rapide que nous quoi qu'il en soit, donc toxique. Là, ça va stoller, je pense, un peu beaucoup. Ah, putain, on disparaît directement, ok. La toxique. On va devoir réessayer, je pense, pour le Aqualie. Ah, ça va être tendu du slip. Ok, on l'a empoisonné, ça, c'est cool. Par contre, ça va être long, on a 4 tours à tenir. Abri. On peut pas se permettre un autre clonage. Ça va être compliqué. Ok, là-bas l'ombre, on l'esquive. Alors, est-ce qu'on peut faire un double abri? Est-ce qu'on peut
l'espérer. Sachant que là, on va prendre cher. Ou on tente l'ébullition. On tente le double abri. On tente le double abri. Oui, il passe. Oh, il passe le double abri. Ça, c'est génial. Allez, la balle ombre. Donc, il a l'air que d'avoir balle ombre. On va lui gratter avec un ébullition. On va retenter le double abri après. Balle ombre. Ah, là, c'est qui tout double après? À moins qu'on se prenne un critique. À moins qu'on fasse un critique aussi. Ah, ça chatouille, bien sûr. Mais le poison commence à agir très violemment. On va essayer de replacer un abri. On y croit. Allez, Billy. La balle ombre qui passe pas. Oh putain, et on va se protéger qu'avec abri. Allez, c'est maintenant ou jamais. Pas d'échec. Allez, Perrier. Et ça passe. Le 2 double abri. Mais c'est génial. Et on l'a eu au poison. Mais oui, c'est bon. Deuxième expert fait. Plus que 151 experts à battre. Oh là là, ta force est incroyable. Ouais, ou pas. C'est fou, ton Aqualie est vraiment trop fort. Et franchement, après ce combat, je peux te dire que c'est toi l'expert Aqualie. Voilà. Alors, j'ai pas tenté le meilleur t-shirt le plus opti du monde, mais c'est pas grave. Alors, après, donc au premier étage, on avait Aqualie. Au second étage, on doit avoir Pyroli, je suppose. On espère. Et attention, suspense. Dans cet étage-là, nous avons... Voltali, ok. Alors, Voltali, je ne sais plus ce que je lui ai mis. Je crois que c'est lui qui avait la balle ombre, du coup. Déplacé. Voilà. On va prendre cher. On va prendre vraiment cher. Salutations, sans me vanter, je suis un expert en Voltali. J'ai un objectif dans la vie, rencontrer le Voltali ultime. Oh, mais je vois que tu as un puissant Voltali qui t'accompagne. Crois-moi, j'ai l'œil. Après tout, je suis expert en la matière. Que dirais-tu à un combat de tous les deux de nos Voltali? Allez, on reste concentré. On tente pas le clonage. Ah, pas sûr que le Voltali, je lui ai mis clonage sur celui-là. Qu'est-ce que je lui ai mis à ce Voltali? J'ai pas mis des attaques de ouf, je crois. Vas-y, Dynamo, j'ai confiance en toi. Pareil, c'est vous qui l'avez rename. Alors, on a le toxique, on a l'abri, on a la balle ombre. Ok. Ok, on est plus rapide. On peut toxique. Alors, qu'est-ce qui va me tenter comme attaque? Qu'est-ce qui va me tenter comme attaque? Mur lumière. Pas de soucis. On va gratter un petit peu avec la balle ombre. Pour l'instant, il fait pas très très mal. Hop là. La balle ombre. On va voir ce que ça vaut. Ça va pas faire grand-chose. Ouais, ça chatouille. Ils sont maxés en défense P en tout cas. Le bâillement. Ouh là 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 là. Alors là, il faut prier. J'aurais dû tenter le abri. Là, il va essayer de s'attaquer ou de s'en prendre à moi. Donc déjà, on assure un tour. Car après, on va s'endormir. Ok. Lui aussi, il a balle ombre. Très bien. Lui, il se prend les dégâts du poison. Voltali qui dort. Là, le stress est intense. Allez, Dynamo, réveille-toi le plus vite que possible. Ok, il dort profondément. Qu'est-ce qu'il va tenter? Rebat l'ombre. Est-ce que je vais l'encaisser mieux que l'Aqualie ou pas du tout? Peut-être prévoir plus de protection à l'avenir. Alors, je vais surtout beaucoup jouer avec abri toxique. Hein. C'est, je vous le cache pas. Bon, il y aura des petites surprises sur des attaques de Pokémon. Même si je ne sais pas sur quoi ils vont me défoncer. Ah putain, il faut qu'il se réveille sur ce tour-là. Pouvoir de l'amitié. Allez, réveille-toi, Billy. Non! Ok. Ok, il nous gagne. Mais on aura la petite revanche. Pas de souci, on le fera, mais... juste après le Pyroli. Moi, mon Voltali est le meilleur, j'en ai jamais douté. Oh, tristesse. Alors, équipe. Du coup, on a Grillade. Hop là. Ok, ils sont de nouveau full vie. Mais on peut le faire. On va tester Grillade, déjà. Et après, on retourne sur le Voltali. Puis on enchaînera avec Pikachu et Melofé à la fin. Du coup, Grillade doit être ici, voilà. Enfin, bon, c'est le même texte, hein, minute, blablabla, ha, oui.
Voilà, on combat. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Pierrot, le top de l'essor, va se battre. Nous avons le Pyroli. Alors pareil, on va le toxique. Car je pense que en soi. Voilà, 75. Ok, on a Bélier, on a Abri. Ah ouais, surpuissance. Ah, j'hésite à le mettre. Mais. Oh, oh l'enculade. Ok. Il est plus rapide. On est dans la mouise. Ok, alors, attaque. On va s'abriter. On va tenter le double abri. La surpuissance, on repasse pas deux fois. Qu'est-ce qui fait mal, l'enculé? C'est Bélier, on se tue, malheureusement. En plus, qu'il nous fasse surpuissance, on meurt. On meurt. Ok, le Pyroli va pas être évident à passer. Ou bien non. On fait les 6 combats. Et à chaque fois, il y aura une petite note à la fin, 3 sur 6. Enfin, voir lesquels qu'on perd, lesquels qu'on gagne. Il y aura des revanches. Ah, le triple abri ne passe pas. Le surpuissance qui passe. On passe sur un 2 sur 4. Ok. Donc, on aura une revanche à faire sur Aquali. Voltali et Pyroli. Très bien. Eh bien, écoutez. Direction la forêt de Jade pour combattre notre cher petit Pikachu. Et nous voici dans la forêt de Jade, à la recherche de l'expert en Pikachu. On est à la recherche d'un Shiny, donc là c'est l'expert Aspico. Les insectes, ça sera sur une thématique. Je pense que sur le prochain épisode qu'on fera en soi, ça sera un full starter. Donc Salamèche, Reptincelle, Dracaufeu, Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre. Carapuce, Carabaf, Tortank, voilà, tout simplement. Pour ça sera 9 combats au lieu de 3, vu que ça sera une thématique. Je vais essayer de les faire vraiment par thématique. Là, c'est vraiment les chouchous starters. Voilà. Un Roucoule sauvage qui apparaît, on s'en fout un petit peu, hein, en soi. Et on va retrouver ce petit expert, s'il vous plaît. Alors, où te caches-tu, l'expert en Pikachu? Où es-tu, s'il te plaît? Montre-toi, l'expert en Pikachu. Non, toi, tu es un chrysacien métapode de couleur verte, tu ne m'intéresses pas. Et qui sait, en plus, en faisant ça, on aura peut-être du shiny hazard. Et là, ça serait ouf. Du coup. Il est où, cet expert? Où es-tu, petit expert en pika? Prout-tout te caches-tu, s'il te plaît? Montre-toi avant que je m'énerve. Vite. Montre-toi. Toi. Ah, c'est une experte. Très bien. Coucou, toi, tu sais quoi? Je suis une experte en Pikachu. Même blablabla. Et oui, si on faisait combattre nos Pikachu. Alors, je devrais avoir l'avantage sur ce Pikachu. À moins que l'experte ait mis une même attaque que moi et Ikue, la fillette qui veut se battre. Pikachu! Alors, je crois que je suis plus bas en level, par contre. C'est une femelle. Ok. Contre un Pikachu femelle. Voilà, je pensais que j'avais un mal. 75, 73, ok. J'ai tunnel, j'ai accès à vive attaque. On tente le tunnel. Ok, la souplesse, on esquive grâce à nos encouragements. Oh! Alors, est-ce que ce Pikachu a abri ou pas du tout? Est-ce que le PNJ est intelligent? Ok, il a toxique par contre. Va falloir faire gaffe. Ok, c'est super efficace, bravo. On est... Du coup, on est plus rapide. Ah non, on n'est pas plus rapide. Ok, un tour sur deux, il nous fait souplesse. Souplesse et... ok, on peut tenter le crit avec Fanta. Oh, le clonage! Ok, clonage toxique. Alors là, il va falloir donner vraiment le meilleur de soi-même. Ah, ça va être compliqué. Oh, le toxique qui passe. Ah, on peut plus se permettre le double tour. Ah, la connasse. Putain, on perd un tour. Ah, putain, mais c'est compliqué, les experts, en soi. Bon, là, on est niveau 73. On est inférieur à Micheline.
Ok, on évite la souplesse, normal. Est-ce qu'on serait bien qu'on pète le clone par contre? On pète pas le clone? Yes, si, on a pété le clone. Ok. On prend les dégâts du poison. La souplesse qui peut plus nous para. On va tenter le double pied. Ok, il reprend les... Bon, le double pied. 1. 2. Oh putain, ça va être compliqué. On reprend le poison. Oh, oh mais c'est une décadence. Aïe, 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 aïe. La souplesse qui va faire mal. 4 PV et on meurt du poison. Putain. Oh, on s'est soigné du poison. Sérieux? Ok, touche. Ah ben non, on meurt pas du poison. On ne meurt pas, c'est tout. Ah, j'ai cru qu'on allait se soigner. Décidément. On a réussi que 2 combats pour l'instant. du coup, il nous reste plus que notre cher petit Mélofée. Alors le Mélofée, je sais pas du tout ce qu'il va nous réserver. Je sens que je vais monter de level 80 du coup pour les prochains combats. Je sais pas pourquoi. Je sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir. Mais en soi, on avisera. On aura peut-être un meilleur Pokémon en soi. Mais voilà, notre Pikachu n'aura pas résisté. Et du coup, on va en direction de la ville de Safrania pour combattre le Mélofée. Et voilà, nous sommes à Safrania. Alors, l'expert Mélofée devrait être en extérieur, je dirais. Ou sinon, c'est chez Miss Cache-Cache. On va vite fait zioter ici. Je pense que... Alors, soit en extérieur, soit chez Miss Cache-Cache. Là, on a l'expert Ponyta. Bonjour à toi. Au-dessus, on a l'experte agent Jenny. Voilà. Ah, elle peut être au centre Pokémon aussi. Du coup. On va dire qu'elle se cache soit au centre Pokémon, soit ici. On va dire ici et on verra au centre Pokémon. Ah ben non, elle était pas au centre Pokémon, elle était bien en extérieur. Voilà, donc il y a eu petit fondu enchaîné, tout ce que tu veux. Putain, ça serait bien qu'on fasse quand même un 3 sur 6 quand même, ça serait bien. Ah, putain, ça va être compliqué. C'est en haut à gauche. Ah, je l'ai pas mise. J'ai pas mis le petit Mélofée. Micheline, on croit en toi. On croit en toi, Micheline. Tu es en plus à l'extérieur de l'équipe. Mais bon, il est redoutable, mon Mélofée. Franchement, je pensais pas me prendre déjà 3 défaites. Le Pikachu, j'avais espoir. En mode, c'est bon, le tunnel va faire super mal et tout. Ouais, mon cul, c'est du poulet, oui. Du coup, oui, tu m'envoies Mélofée, ce qui est normal. Voilà, vu que tu es experte en Mélofée. Micheline, on a confiance en toi. Voilà. Alors, ça serait bien aussi qu'on combatte nos Shiny. On est largement au-dessus, par contre, là. On a queue de fer, on a pouvoir lunaire, on a Lilliput. On tente le queue de fer pour voir ce que ça donne. Déjà d'une. Ok. Coup critique. Mais non, la berceuse sa mère. Ok, on va devoir l'esquiver, cette putain de berceuse de merde. Oh, oh oui, Micheline, on t'aime. Dites dans les commentaires que vous aimez Micheline. Voilà, elle fait sa Lilliput. Voilà, tout le monde aime Micheline. Voilà, tout simplement. Métronome. Ah ouais, d'accord. Ok, alors, rappel temps, éclair, on esquive. Oh oui, allez. Oh là, on Lilliput. On Lilliput à fond. Voilà. Soyez avec moi et Lilliputez avec moi et Micheline. Ok, Métronome, berceuse, qu'est-ce qu'elle nous cache d'autre comme attaque? Écume. Bon, allez, on est des petits salauds, on va Lilliputer encore ensemble. Allez, Lilliputons. On peut gagner ce combat. Berceuse, on esquive. Oh, Micheline, qu'est-ce qu'on l'aime? Qu'est-ce que vous l'aimez? Dites-moi dans les commentaires si vous l'aimez bien, la Micheline. On va peut-être tenter le plaquage juste après. Métronome, berceuse. T'as quoi d'autre comme 2 autres attaques? Je crains le pire. Claquoir. Ok. Eh, mais s'il nous fait une explosion ou une connerie comme ça. Allez, le plaquage pour la para. Oh oui, la para. Ah, mais là elle a rien pour. Là, elle nous fait pas de dégâts de toute la game. Oh, Micheline, qu'est-ce qu'on t'aime? Gloire à Micheline. Ça sera le titre.
le métronome. Alors, soit le titre, ça sera 50%, soit ça sera gloire à Micheline. Allez, par le pouvoir lunaire de l'amitié. Yahoo! Allez, la petite para qui l'empêche d'attaquer. Oh, oh, c'est triste. Oh, ça me fait de la peine. Mais on a gagné. Et ça, c'est génial. Ah, la para qui a pas pu fonctionner. Ah, du coup... elle... là, il attaque prioritairement ou pas? J'ai pas compris. Et une troisième attaque, mais je ne sais, j'ai pas fait gaffe du coup, j'étais tellement concentré en mode on prend pas de dégâts et tout, et on a réussi. Oh là là, mais t'as une force incomparable. Et ben voilà, 50% pour aujourd'hui. On a eu donc l'Aquali, Evoli et Mélophée en expert. On aura donc une revanche sur Pyroli, Voltali, Pikachu, peut-être que ça sera 3 Shiny qui les affronteront. Ouh, bien. Voilà, maintenant sur les défaites que je ferai, ça sera les prochaines chasses que je ferai. Donc il y aura 2 Evoli et un Pikachu à chasser. Donc on va faire le Ponyta qui sera en live. Et du coup après on enchaînera avec Pyroli, Voltali et Pikachu. Dites-moi dans le sondage qu'il y aura en haut à droite par lequel on commencera. Et on fera tout cela dans l'ordre. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu. Voilà les experts 50%. Ah, pour moi je me suis éclaté. Voilà, c'est des très courts épisodes. Je crois qu'on est à... tout pété 18-19 minutes. Voilà, n'hésite pas à me suivre sur... tu te moques de moi, mais... ok, on a fait 50%, mais c'est pas bien. Voilà, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Vous avez tous les liens en description. Ou bien rejoindre le Discord de la Yoshi Family. Allez, sur ce, portez-vous bien, les amis. Ciao, ciao. Peace.